Okay, time to figure out what's on this thing. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un let's play, une découverte, une vidéo. En tout cas, dans un premier temps, une vidéo. Mais appuie. Comment ça marche? Faut que je... D'accord. Sur Inscription, un jeu qui est sorti assez récemment. Oui, non, voilà, il est en français. Pourquoi le... D'accord. Bon, peut-être que le ils ont pas traduit la cinématique. Et un jeu dans lequel on ne peut pas commencer une nouvelle partie, visiblement. Donc on va continuer, hein. J'ai jamais lancé le jeu, donc bon, j'imagine que tout est normal. Ah, il faut cliquer une première fois et ensuite cliquer là. Est-ce que je peux cliquer autre part? Est-ce que vous pensez qu'il y a des easter eggs? Non, en gros, c'est visiblement, du coup, c'est un jeu de cartes qui emprunte pas mal à Slay the Spire en termes de game design global, on va dire, mais qui aurait son ambiance, qui a sa propre vision du truc, visiblement. Donc j'avais vu très vite fait, genre quoi, 10 minutes du jeu, et je me suis dit, ça a l'air trop bien, j'ai craqué, j'ai acheté, et maintenant on va y jouer. Un nouvel adversaire, cela faisait longtemps. Alors, le problème, c'est que je suis malade. Donc, en termes de voix alternative, ça va être compliqué. Tu as peut-être oublié comment on joue. Laisse-moi te rappeler les règles. Et d'ailleurs, j'en profite juste aussi pour dire que c'est assez impressionnant. Je sais pas du coup comment ça va rendre sur YouTube. Mais rien que déjà entre ce que je vois moi, en termes d'échalonnage de couleurs, et ce que je vois au niveau du record, il y a une différence. Ok. Joue ton écureuil. Ok. Voilà, donc j'ai des cartes, je joue mon écureuil. Joue ton hermine maintenant. Donc, ok. Les hermines coûtent une goutte de sang, il te faut faire des sacrifices. Donc je sacrifie l'écureuil. Une mort honorable, joue ton hermine. Salut l'hermine. Les loups ont besoin de deux sacrifices. Tu ne peux pas en faire deux pour le moment. Fais sonner la cloche pour mettre fin à ton tour et engager le combat. Non mais pas la... Arrête! Arrête de trembler! Aucune carte ne bloque ton hermine. Attaque! Le chiffre en bas à gauche correspond à sa puissance d'attaque 1. Et baf. Ton hermine a infligé un point de dégâts. Je l'ai ajouté à la balance. Pour que tu gagnes, il faut que la balance penche totalement de mon côté. Ouais. Comme ça. Ouais, ouais, ouais. À moi de jouer! Ok, donc lui il joue un coyote. Ton hermine bloque mon coyote. Spaf, mon coyote inflige 2 points de dégâts à ton hermine. Cela veut dire que la santé de ton hermine diminue de 2. Quand la santé d'une créature atteint 0, elle meurt. C'est encore ton tour. Tu peux piocher une carte dans ton jeu ou piocher un écureuil. Piocher une carte, hein. C'est très imprudent. J'avoue que du coup, je peux rien faire. Parce que c'est ça, tu dois faire un sacrifice pour jouer cette créature. Sauf que il faut que je sacrifie 2 cartes. Donc c'est mort. Comment je vois les détails des cartes? Je peux pas voir le détail des cartes? Ah si, il faut que j'appuie encore sur S. Bon bah, sonne. Mais l'hermine gagne. Parce que c'est pas comme dans Hearthstone par exemple. C'est le seul exemple qui me vient, mais voilà. Où les tours d'attaque là se font simultanément. C'est genre, si j'attaque, l'adversaire il riposte pas. Comme tu es encore en train d'apprendre, je passe. Trop sympa. Tu as pioché toutes les créatures de ton jeu, tu ne peux piocher qu'un écureuil. Bah, du coup, je pose un écureuil.
Voilà. Et je passe. Tu m'as infligé un point de dégâts. J'ai donc rajouté un point à la balance. Tu sais que tu peux jouer en... plus d'une carte. Oui, je crois. Oui, je peux jouer plus d'une carte par tour. Oui. Oui. Je passe. D'accord. Je pioche un écureuil. Mais je vais pas sacrifier l'hermine. L'hermine, elle attaque. Donc là, oui. Voilà, je dois faire deux sacrifices pour jouer le loup. Et je joue le loup. Et paf. Voilà. Tu as remporté la partie. Ce ne sera pas toujours aussi facile. Oui. Oui, bah oui, là t'as passé trois fois, oui. Laisse-moi te remémorer ton histoire. Ah oui. Ouais. Perdu au milieu de la forêt. Un seul chemin se découvre. Deux êtres de la forêt s'approchent timidement de toi. La vipère caustique, les dégâts de sa mort survenimeuse sont mortels. Attendez, donc ça coûte 2. C'est vrai que je... oui, bon, il y aura pas de cam, hein, parce que du coup, comme ça, voilà, c'est immersif, tout ça... J'ai un peu la flemme de mettre de la lumière pour mettre la cam aussi... Mais c'est quoi ça, là? Oui, vous avez le curseur, de toute façon. C'est quoi ce signe? Le chat immortel. Sacrifier cette pauvre bête ne la tue pas. Ah. Bon, lui, écoute... Ouais, c'est un sacrifice infini. Seul une seule peut agrémenter ton misérable deck. Ah, je peux... Ah, ok. Voici les règles. Toucher de la mort. Quand une carte ornée de cet emblème inflige... Ou quand une carte avec ça, là, inflige des dégâts à une autre créature, elle meurt. D'accord, simple, efficace. On s'en fout de ses dégâts, quoi. C'est à titre indicatif. Enfin, en 1v1, elle fume tout le monde. Sauf que comme elle a un PV, en 1v1, elle se fait fumer par tout le monde aussi. Ouais. Je sais pas la vipère, hein. Je sais pas, je prends le chat. Hein. Team chat. Hein. Une nouvelle créature rejoint ton troupeau. Ouais, mais le chat... Non mais le chat, c'est très bien le chat. Certaines créatures de la forêt semblent vouloir te suivre. Bah ok. Sont gentils, et sont gentils les animaux. Tu tombes sur un sac abandonné. Enfin, un sac à dos. Tu trouves une bouteille avec un écureuil à casser en cas d'urgence. La bouteille. Prends-en une deuxième. Un autre outil utile qui va te permettre de faire pencher la balance. D'accord. Tu ne peux pas te porter plus de 3 objets. Ok. Donc là, on a 3 objets max. Les objets, ça peut être des cartes ou ça. Pour faire pencher la balance. De mon côté. Attendez, de mon côté. Oui, non, mais de mon côté, c'est l'expression, donc pas littéralement, du coup. J'espère. Alors que tu passes par un chemin escarpé, tu tombes dans une embuscade. Tu m'as pas sacrifié? Comme c'est gentil. Peut-être que tu pourras m'aider. C'est ton tour. Pour l'instant, je joue le jeu. Tu peux maintenant voir mes coups en avance. Oh, c'est bien. Comment je fais? Je clique droit. Z, W. Ouais. Il va jouer un louveteau. Et le louveteau, il doit évoluer en loup. Oh. Wow. Calme-toi, le jeu. Ça, c'est quoi? C'est le livre des règles? C'est le livre des règles. Hein? Ah oui, j'étais sur le... Ok. Faut que j'allais faire une connerie. Hein. Voilà, reste sur le plateau après son sacrifice. Au secours. Oui. Du coup, il va jouer son louveteau là. C'est chiant. Bon, on va poser l'écureuil là, on s'en fout à son. Et on va poser le chat. C'était peut-être con de poser le... Ah ouais, mais non, de toute façon, il fallait que je sacrifie quelque chose pour poser le chat. Ah, mais du coup, je peux sacrifier le chat. Ah, ça, c'est fort, ça, par contre. Ah, ça, c'est bien, ça, quand même.
Vas-y. À nous de jouer. Ouais, vas-y, Lermine. Tu ne peux pas piocher de cartes le premier tour. Ouais, bon, j'essaye, on sait jamais. Donc là, le louveteau. Mais le louveteau, prends garde à l'ambitieux louveteau, il grandit vite. Bah ouais, il va me casser la gueule, non? Pourquoi j'ai pris ça? Fallait pas. Fallait que je prenne le Nereuil, là. Et là, il joue une chauve-souris. Le vol. Carte ornée de cet emblème attaque directement l'adversaire, mais c'est une créature en face. D'accord. Il y a Annulgarde. Enfin, non, c'est pas Annulgarde, mais. Ouais. Ouais. Bah ouais. Mais là. Où est-ce que je vois mon deck? Parce qu'en fait, techniquement, je sais quelle est la carte qui me manque. Mais je sais plus parce que je suis amnésique. C'est quand même con. Ah, le loup. La chauve-souris survole les créatures et attaque directement l'adversaire. Ouais, mais moi non, je vais pouvoir quand même l'attaquer. Prendre l'écureuil. Hein. Je prends de l'écureuil parce que j'ai absolument besoin. Ah oui, je peux avec la molette. Ça, c'est bien. J'ai besoin d'invoquer le loup. Ah ouais, par contre, le coup, le chat me bloque. Mais bon. Oh, et je pense savoir ce que je fais au prochain tour, du coup. Là, je reprends un Nereuil. Hop. Je prends le Nereuil. Je... Tac, sacrifie le Nereuil et le chat. Et bam. Et là, qu'est-ce que tu vas faire, là? Là, qu'est-ce que tu vas faire, là? Bah, tu vas la tuer en deux tours. Ou pas. J'ai deux loups. J'ai deux loups. Ah ouais, bah de toute façon là... Ouais. Non mais c'est bon, de toute façon... Ah non mais ma tortue elle la tue en plus. Ouais bah vas-y. Non mais c'est bon, j'ai gagné. Quand je me prends la tête, j'ai gagné. On va pas faire comme ça dans Slay the Spire, on va... Hein, on va parler pendant 150 ans. Mais alors qu'est-ce qu'on fait alors qu'on a gagné quoi? Tu as triomphé. Tu avances sur un chemin qui est maintenant couvert de sang. C'est là où je me rends compte quand même que je suis un peu moins malade parce que ça j'aurais été incapable de le faire sans pousser ma mère. Enfin, le jeune louveteau, il se transforme en loup après un tour. Le doux moineau, une créature volante, à la puissance et au coût réduit. Donc le louveteau... Ah, le louveteau, en vrai, c'est pas mal, si on... vu qu'on voit ses cartes en avance. On le place à un endroit où il met rien, on est tranquille. Ou on le place devant un obstacle. En vrai, le louveteau, c'est pas mal. Hein. Après, le vol, ça peut être bien, mais le... Ah, une... Elle est nulle, la carte. Vas-y. Elle me paraît nulle, la carte. Je sais pas. Ah, 1-2, bon... Dans la nappe de brouillard, tu aperçois des pierres étranges. Tu es obligé de choisir une créature digne à sacrifier. Elle disparaîtra jamais. Ah non, pas le chat. Attendez, mais ça fait quoi? Je sais pas ce que ça fait. Je sacrifie ma créature, mais j'en fais quoi? Attendez, parce que si je peux transférer le pouvoir du chat... Qu'est-ce que je fais? Ça transfère quoi, le pouvoir ou le coup? Non, mais ça a aucun sens de transférer le coup. Ça transfère peut-être les PV? Dans ce cas-là, il faut mieux le louveteau. Bon, on essaye. Mais choisis-moi! Si je choisis le chat... Non, il veut qu'on le choisisse. Vas-y, on choisit. C'est un honneur. Quel spectacle épouvantable, mais l'âme de la carte louveteau vit maintenant dans la carte Hermine. Et là, il pourra évoluer en loup Hermine. Il va pouvoir grandir. Ah. Admire mon totem. Il accorde l'emblème vol à mes cartes de type canidé. Super. Il est complètement fou. Ah, tu le vois bien, non? Il se fiche des règles. Ah, c'est un énervant, vraiment. Ça suffit. Bon, toi, tu... Il me garde là, pour me voir souffrir. C'est con, quand même.
Attends. Mais bon, tu fais quoi? Ok, et ouais, donc ça correspond à au fait qu'il a l'emblème, le totem. C'est oh, c'est flippant, hein. C'est vraiment bien foutu en termes de d'ambiance, d'ailleurs. Peut-être vous montez le son. Attendez. Ah, tout cassé. C'est bon. Ah! Non, je peux pas interagir. Tu te souviens que tes objets pourraient t'aider, oui? Ouais, mais c'est bon, t'inquiète. J'ai pas pioché mon chat, c'est tout, je suis deg. De toute façon, il va voler, lui. Donc autant le mettre devant, non? Peu importe, ouais. De retour sur le plateau! Ouais. Après, je pourrais invoquer un loup. Vas-y, hein. Vas-y, on invoque le loup, hein. Ça me paraît pas mal. Mon totem accorde à mon coyote la faculté de voler. Ouais. Voilà, là il rééquilibre le truc. Ah ouais, et mon Hermine elle est montée de 5. C'est un peu. Donc non, elle a pas gagné le même power-up. Enfin, en partant du principe que le louveteau serait vraiment devenu un loup de base, elle a pas gagné le même power-up que le loup. Le chat! Putain. C'est chiant ça. C'est dommage. Du coup, toi, t'es passé à 2-5. Par contre, elle a gagné 2 PV. Elle a gagné 2 PV, elle a gagné 1-2, quoi. Bon, c'est pas mal en vrai, c'est pas mal. Oh, le petit loup là. Le petit loup de ses morts. Il faut le charme. Le problème, c'est que. Ouais. Non, mais c'est bon, j'ai gagné normalement. Ah non, j'ai pas gagné. Si, j'ai gagné, j'ai 5. Et bam! Impressionnant. Tu peux encore surmonter cette épreuve. Je touche du bois. Ouais. Ok. Bon bah, allons là. Continuons. L'insidieux du corbeau, le fléau des cieux. Bon, 2-3. Donc pas ouftière en termes de dégâts, mais le vol. La vipère encore. Le wapiti furtif. Il se déplace après chaque attaque. Il se déplace après chaque attaque. C'est-à-dire. À la fin du tour de son propriétaire, une carte ornée de cet emblème se déplace dans la direction indiquée par l'emblème. Ah, ça a l'air relou, ça. Ça, c'est. Oh! Ça, c'est les mind games, ça. En fait, le problème, c'est qu'on me donne que des cartes à sacrifice, là. Prendre le corbeau, comme ça, on a du vol. Ok, alors d'un côté, j'ai un feu de camp. Et de l'autre côté, j'ai quelque chose. Non, c'est pas le. Problème, c'est que je. Oh! Oh mon deck, on voit mon deck là. Mon deck nul là. Ouais, j'ai pas beaucoup de cartes. Hein. Donc en fait, ouais, c'est plus ou moins facile pour l'instant de déterminer ce que je vais tirer. Qu'est-ce que c'est que ça là? Vas-y, je veux comprendre ce que c'est. Même si je crois qu'on connaît pas les feux de camp du coup. Putain, c'était bien ça. Donc, ah. Oh! En vrai, ça peut être worse de. Ah non! Bah ouais, mais non. Oh, mais quel enfer. Ah, ça, ouais, super. Je t'ai dit, c'est cool. À la limite, ça peut être cool de pouvoir sacrifier une carte que. Qui revient sur le terrain automatiquement, mais. Mais je pensais pas que ce serait une carte à deux, quoi. J'ai vraiment plus que ça? Mais non, j'ai l'hermine là. Je peux pas remettre sur l'hermine. Peut-être que je peux pas remettre sur l'hermine. Ouais.
Ah, je peux changer. Ah ouais, je peux complètement changer. Non, d'accord, je peux changer comme je veux. Genre, ouais, vas-y. Mettons ça sur le loup. Sûrement la pire idée, hein, mais bon, ça... Ça, pareil, au pire, vous regardez les vidéos de Slay the Spire, vous comprendrez. Toujours la pire idée. Il y a peut-être une issue pour nous deux, quelque part dans cette foutue cabane. Tais-toi ou je te réduis en bouillie. Foutue cabane, oui. Allô ? En tout cas, petite ambiance, petite guitare, hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux jouer, là ? Vas-y, je vais te faire jouer, t'inquiète. Alors là, il va jouer un moineau de mort. Ah. 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 J'ai mal. Comment je fais ça? Je peux même pas invoquer le loup. Oh. Et si, t'es sûr? Tu veux que je te mette en face du grizzly? Vas-y, hein, si tu veux, hein, mais t'es mort, quoi. Si je fais ça, t'es mort, hein. Ah non, t'es pas mort. Ah non, j'étais pas sûr, non. Ah merde. Tant pis. Ah bah. Non, mais non, là, c'est la fin du tuto, c'est ça. Là, c'est le moment où le jeu, il me dit, ouais, bon, tu t'es amusé, t'as rigolé, mais c'est fini. Oh, warida. Ouais, le double grizzly, là, je sais pas comment gérer. La vipère aurait pu permettre. Ouais, c'est là où la vipère était cool, peut-être. Pour les grizzlies. Tu as perdu. Je ne peux que te conseiller d'apprendre de cette défaite pour atténuer ma déception. Lève-toi. Lève-toi de la table. Ok, oui, chef. Va me chercher le chandelier. Il est sur le tonneau près de la porte. Mais, hein? Waouh. Alors, je savais qu'il y avait un côté apparemment escape game, mais... Ça gêne pas, hein. Ah ouais. Oh putain. Merde. Attends. Atta, minuit 15. On va tenter le minuit 15. Pas du tout. Non, je sais pas. Non, est-ce que c'est minuit 15? Oh, je sais même plus. C'est ça qui fait du bruit? Ah ouais. En vrai, il fait flipper quand même un peu. Oh. Ouais. Oh, il me laisse jouer, hein. Il me laisse jouer avec ses trucs. Des petits bonhommes. Ouais. Non, mais la porte, là. Non, la porte, c'est peut-être... Tu fais flipper. C'est marrant, ça. Je sais pas, hein, j'essaie d'interagir avec les trucs, mais... Oh. Attendez, je peux? Ah ouais. Ah mais oui, c'est le chandelier. C'est vrai qu'il fallait que je ramène un chandelier, moi, depuis le début. Ramène-le ici. Ouais. Oh. Putain, on dirait les mains à la Rayman, là. Je peux pas essayer ceci pour le moment. Tiens, maintenant assieds-toi. Ok. Laisse-moi t'expliquer une chose. Ah. C'était l'une des deux seules erreurs que tu pouvais te permettre de commettre ici.
Encore une. Et je devrais te sacrifier comme le chat. Ou alors, où en étions-nous? I'm Batman. Ok, super. Magnifique. Je peux me lever à tout moment? Ah ouais. Salut. Alors, la choix du carte, le sac à dos. C'est vrai que j'ai plus rien dans mon sac à dos. C'est vrai que j'ai utilisé tout mon sac, tous mes objets de sac à dos. Donc tant pis pour le feu de camp et allons voir le sac à dos. Faisons les pires choix. La tortue serpentine, une créature coriace. Elle constitue une défense quasi impénétrable. C'est quoi ça? Quoi, il y a quelque chose de collé sur la carte? M'en fous, je prends le chat. Moi j'aime bien. Mais non, mais c'est. Ah, mais non, mais si, j'en ai plus de chat. C'est bon. J'ai sacrifié le chat. Si cela te semble nécessaire, tu peux les utiliser pour couper une de mes cartes. La sacrifier rapporte 3 gouttes de sang, à condition que tu puisses supporter ses cris. Vas-y en une. Couper une de ces cartes, ça a l'air méga ouf. Hein. Et la chèvre noire aussi. Ah, la chèvre noire, c'est... Chèvre noire, c'est tu poses ton loup, tu poses ton hermine. T'es tranquille, quoi. Une pierre peut te permettre de t'extraire de situations difficiles. J'avoue que la pierre contre le grizzly, là... Petite pierre contre le grizzly, là... Les 3 objets que tu as récupérés remplissent ton sac, tu poursuis ta route. Ok, là c'est quoi? C'est un boss? Un brouillard glacial s'installe. Les arbres semblent encercler. Au loin, on entend le bruit répétitif d'un outil en métal sur la pierre. Une silhouette, Claudicante apparaît sur ton chemin. Oui. Hi-ha, c'est le chercheur d'or. Ah non, mais non, pas d'autre voix, non. Non, pas d'autre voix, là. Ah, j'ai pas regardé. Une mule chargée et un coyote. Du coup, la mule, elle se déplace. Pardon. La mule, elle se déplace. Oh, merde. Est-ce que je sacrifie vraiment directement? Ouais. Quoique, non. Bon. Ah, j'ai fait le con, là. Là, j'ai fait le con parce qu'il fallait que je prenne un écureuil, là. Putain. La vipère, elle one-shot le rocher. Elle one-shot le rocher, hein. Ah mais attendez, je me suis pas mis dans la merde, là. Je crois que oui, hein. Je crois qu'il est bien possible que oui, hein. Adieu le chat. Ah dommage. Et là en fait si j'avais eu mon loup infini, ça aurait pu être trop bien. Comment je peux faire? Ah mais il faut. Ah ouais, il faut un sacrifice pour ça. Bon, en vrai c'est pas un souci. Normalement, non, il faut que je sacrifie. Ah, putain, il faut que je sacrifie les deux. Bon, bah ok. Non, je peux pas. On va tenter de voir. On va attaquer la. Mule, j'ai oublié. En fait, je pensais que je lui faisais des dégâts à un moment donné.
Ça me fait plus d'or pour moi. Artiste de sang. Ouais, c'est quoi ça? C'est la première mort, ça. Yes, on est mort au tuto. Tu n'es pas encore morte. Ce n'est pas le purgatoire. Ah, même si ça y ressemble. Avant que tu t'en ailles, j'aimerais te demander une faveur. Je voudrais un souvenir de toi. Ta propre carte de mort. Elle est plutôt vide pour le moment, hein. On va rectifier ça, toi et moi. Je veux que ce soit le meilleur souvenir qui puisse exister de toi. Voici quelques cartages de ton jeu médiocre. On peut les mettre à profit. Je t'en prie, choisis la carte dont tu veux extraire le coût. Le coût. Bah, je veux que ce soit une carte qui coûte 1. Un coût égal à une goutte de sang. Encore une fois, j'utiliserai sa puissance et sa santé. Bah ça. Cette carte, 3 de puissance et 2 de santé. Je peux pas avoir le bonus là aussi, ce serait pas mal. Hein. Ça serait incroyable. Nick, vas-y là. Pourquoi tu me donnes pas le symbole infini? Le symbole du sacrifice, là, ça aurait été parfait. Là, j'ai le vieux vol, là. Le vol, là. Ah, c'est... Ah. Je dis ça, et en vrai, j'aurais mis mon vol, j'aurais pu équilibrer le truc, et j'aurais pas perdu contre le chercheur d'or, hein, mais... D'ailleurs, je t'ai pas demandé comment tu t'appelais. Je m'appelle... Ah mais est-ce que c'est ma carte à vie ça? Ou est-ce que c'est ma carte jusqu'à ce que je remeure? Je suis pas sûr d'avoir envie de m'appeler. Bon bah du coup je suis Flying Blue. Est-ce que ça rentre? Oh oui ça rentre. Est-ce qu'on peut faire un espace? Oh oui. Je suis le Blue de Team Vol. Il ne me reste plus qu'une formalité. Le portrait. Ah ça y est c'est le décès. Ditchies. Tu es prête? Pas besoin de sourire. Putain, c'est en plus. Ah non, il faut pas que je mange, je vais me recasser la voix encore. C'est reparti. Un nouvel adversaire. C'est peut-être enfin la bonne. Avec des os, c'est peut-être plus facile. Des os? L'ingénie opossum coûte 2 os. Tu gagnes un os à chaque fois qu'une de tes créatures meurt. Peu importe la raison. Oh, d'accord. Je peux m'en aller? Ok. Salut l'hermine. Le serpent à sonnette de ses morts. Ok. Il n'y a plus de musique là. Hein. C'est fini la musique. La mort de cette créature t'a permis d'obtenir un os. Tu le conserveras jusqu'à ce que j'utilise ou ce que le tombat se termine. D'accord, ça se cumulera pas entre les combats. Faut pas déconner non plus. Bam. Ah oui, forcément, par contre, ça fait mal cette merde. Qu'est-ce que je ferais avec ça, moi, dans mon jeu maintenant? Pourquoi j'ai ça alors qu'avant j'avais un truc qui était fort. Ah, le problème c'est que 3. Non, 3 je suis pas encore mort. Non. Là par contre ça va être la merde. Là par contre on va pas se mentir, c'est la merde. Ah mais du coup, là je fais ça, comme ça moi je tue cette merde, et là j'ai 2 os, donc je peux placer mon opossum, et limite en vrai j'aurais envie de sacrifier l'hermine, on va faire ça. Pendant que j'en mets encore.
Non mais mec, t'es mort prochain tour. Là t'es mort. T'es mort prochain tour. Je t'évite la mort. Ouais, et du coup je prends plein. Ah ouais, mais ah ouais. Voilà. Ah par contre, s'il rejoue des serpents à sonnette, moi je peux. Non, c'est bon. Il n'y a plus de cartes. Qu'est-ce que tu es cruel? Il m'a infligé plus de dégâts qu'il en fallait pour gagner. Ah, c'est grave? Mais dans mon jeu, de tels exploits sont récompensés. Non, c'est pas grave du coup, c'est bien. Pour être plus précis, tu obtiens une dent pour chaque point de dégâts supplémentaires infligés. Ok. Je ne demanderai pas d'où elles viennent les dents, mais... Ce genre de butin pourrait intéresser le trappeur. Ok. Oh! Oh? J'ai oublié ta figurine. Lève-toi et va me la chercher. Ah, ouais. Au secours, j'ai plus de voix. Elle est à côté du coffre. Oui, Batman. Hein? C'est moi où j'ai vu un truc, là. D'accord. Donc ma figurine. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Donc la ruche avec l'écureuil. Ça fait des abeilles. Non, j'en sais rien. Je sais pas. Ouais. Comment ça, gnuc? Pourquoi ça fait gnuc? Ouais, mais y a trop de trucs. Bénédiction mideur des eaux, bénédiction du roi des eaux. La forêt, nanana. Ah. Waouh, ok. D'accord, ça censure des trucs. Bon. Bien, reprenons. Ouais, on reprend. Let's go, continue encore un peu. Alors. Le faible coyote avec 4 misérables os, on ne peut pas faire de miracle. L'infâme serpent à sonnette, une créature hostile, une froide sécro monstrueux découvert. C'est vrai que 3 de dégâts, c'est pas mal, hein. Le cafard immortel, il revient dans ta main à sa mort. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'en 4 sacrifices, il revient aussi dans ma main? On va prendre ça, ne serait-ce que parce que son pouvoir est utile en vrai. Tu sais, tu peux te lever à nouveau à tout moment. C'est bon pour la circulation sanguine. Je ne suis pas un tyran, tu peux te lever tant que la carte est sur la table. Ça me laissera le temps de réfléchir à ta prochaine rencontre. Mais ne touche pas à mes affaires. Genre, ouais. Le problème, c'est que j'ai aucune idée de... J'ai aucune idée de ce qu'il faut que je fasse, quoi. Le problème, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de trucs que ça à faire, là. Pour l'instant, en tout cas. Continuons. On avance. Ah, il y a eu un sac là, on s'en fout du. Ah non, on s'en fout pas. Quelques jetons en forme d'os pour une nuit pluvieuse. Si cet éventail permet de faire voler tes créatures pendant un tour. C'est pas mal ça. Bon, vas-y, le cochon aux os. On a une réserve d'os au moins. Tu te crois intelligente? D'habitude, il me prend même pas. Il prend même pas la peine de parler des os. Bon, j'ai un conseil pour toi. J'ai vu une ancienne victime écrire un mot de passe dans les règles. Dans les règles. Un mot de passe dans les règles. C'est ça, là?
Je veux dire, est-ce que vraiment le jeu il me met sur la page du mot de passe d'entrée? Attendez. Parce que là on a un truc. On a un truc, c'est quoi? Attendez, c'est 2 sur 3, 2 tiers là? Non, 2, 7, 3. 2, 7, 3. Y'a trop de trucs. Ça me donne combien, tiens, le cochon? 4 os, ok. Comment ça, échec? Ah ouais, y'a une bouteille de mort. Y'a une bouteille de c'est mort. Incroyable. Trop fort, ça aussi. Après, c'est peut-être là les trucs cachés. Peut-être là qu'il a caché un mot de passe. Ok. Wow, il a l'air d'avoir des trucs de ouf. Par contre, je vois que ça. Et je peux plus me relever. Bon, du coup, lui, il va poser des coyotes. Il va poser des coyotes. On n'a pas trop envie. Ouais, tac. Il fait le 1v1 contre le coyote. Ouais, si, il fait le 1v1 contre le coyote. Ok. Oui, bah oui, je sais, aïe, mais bon, voilà, quoi. La grenouille taureau. Là, on va rien faire, hein. Là, on fait ça. Là, tac. Tac. Je sais pas si c'était très worse, mais ouais, voilà. Et voilà. Non, mais là, il joue pas. Mais ouais, mais il me laisse faire aussi. Si tu me laisses faire aussi, j'y peux rien, moi. Après, tu vas me dire encore, ouais, tu m'en mets plein dans les dents. Nanani, nanana. Bah ouais, mec. Ouais, mec, j'adore ça. Hein. Zbra! Il m'a dit que depuis que je sais qu'il faut que je fasse plus de dégâts que 5 PV, là, du coup, on va essayer de faire ça. Là, ça me sert à rien d'aller au sac à dos, pour l'instant. Oh, je me suis trouvé. Flying Blue. Ah, j'étais pas dans mon deck de départ. Putain, mais c'est... D'accord. Qu'est-ce qui décide de ma main de départ, du coup? Je suis bien curieux. Bon bah allons là. Hein. Alors. Sacrifions le cafard. Et je peux y aller. Mais non mais toi tu veux vraiment ralasse tous les pouvoirs du monde en fait. À sa mort, la carte revient dans la main. Hein, on a dit. C'est mieux que ce soit sur moi, hein. Non mais rêve pas, hein. Rêve pas l'hermine là, oh. C'est bon. Hein. Je veux bien t'aider, ah oui, on devait faire un truc. On veut aller voir, est-ce que c'est ça? Alors, 2, 7 et 3. Parfait. Bonjour. Je savais pas si j'arriverais à m'échapper un jour de cette crypte en fer. Est-ce que l'hermine est là? Elle l'aura bougri? Il faut remettre mettre un terme à cette folie. Oh, je vois ça. Oui, oui. Ok, on a trouvé une clé. Là? Oh yes. Non, y a pas moyen de... C'est pas un jeu de doigté. Hein? Oula, oula, oula. Faut que je fasse 5 sur la ligne. J'avais oublié que je l'avais mise là. Très bien, tu peux l'ajouter à ton deck. Tu pourras en tirer une de temps en temps.
Le lézard. Non? Pardon? Ça fait quoi le lézard? Putain, c'est con, hein. Bon, on a réussi, mais ça fait quoi le lézard? J'ai pas compris. Quelle créature formidable, ces fourmis. Très bien, je vais les ajouter à ton deck et les proposer aux prétendantes et prétendants après toi. D'accord, l'attaque c'est fourmis sur 20. Ok. Toujours, encore, encore. Non, attendez, attendez, on va aller voir ce que ça fait le lézard, parce que là j'en peux. Le lézard. Non, le lézard, on a dit. Que, juste avant de subir des dégâts, une carte ornée de cet emblème se déplace vers la droite et invoque une queue à son ancien emplacement. La queue du lézard, d'accord. Donc en gros... Oui, mais elle fait ça qu'une fois, du coup, j'imagine. Ou alors c'est jusqu'à ce qu'elle puisse plus aller à droite. Non, c'est large, je crois. Ouais. Non, ça marche pas qu'avec les fourmis. Bon, si ça marchait avec les fourmis. J'ai pas regardé ce que ça faisait les fourmis, mais j'imagine que... C'est curieux. En vrai, attendez, j'ai une idée. Est-ce que les fourmis, c'est pas plus s'il y a de fourmis? C'est le nombre de fourmis... Nombre de fourmis sur 20. Donc le maximum, c'est 4 de dégâts, quoi. C'est à 4 fourmis. Faut jouer un deck fourmis, quoi. Jouer une carte ornée de cet emblème, ajoute une fourmi à votre main. Ouais. Je suis pas sûr que c'était ça, du coup. Non, mais là, le fourmi en attaque... En fait, il y a plein de trucs, là, j'ai pas envie de les... Voilà, fourmis. La valeur de cet emblème est égale au nombre de fourmis à côté de son propriétaire. Ok. Après, ouais, je veux pas me spoiler trop les effets des cartes à l'avance. On en est là, on en est là. Calme-toi. Alors. Genre le 1. Ça, c'est Darkest Dungeon. Ça, c'est... On stresse les ennemis. Alors, pourquoi? Pourquoi tout cela n'arrive qu'à moi? Attendez. Il fait quoi, le 1 de Darkest? Les piquants. Quand une carte ornée cet emblème subit des dégâts, la créature attaquante subit un point de dégâts. Ok. Donc ça va faire un point de dégâts à ceux qui attaquent. Et ça, c'est quoi? C'est ça attaque des deux côtés? Attaque à la gauche et à la droite de l'emplacement qui lui fait face. Ah ouais, c'est trop fort. Mais t'as la version triple. Oh, c'est méga fort, ça. Méga fort, ça, comme pouvoir. Tu peux attaquer deux fois au lieu d'une. Bon, ça veut dire qu'il faut réfléchir là. Ça veut vraiment dire qu'il faut réfléchir là. Ok. En fait, ouais, c'est que du coup, on attaquait pas la queue de rat. Donc ça la déplaçait pas, ça faisait pas les bails bizarres, parce que je crois que ça bloque des trucs du coup. Sans l'avoir rencontré, cette sculpture en bois ne vaut rien. Tu comprendras son pouvoir le temps venu. Ok, j'ai eu l'emblème de Splitter. Superbe. Tu peux faire d'autres trucs ou... Bon, en vrai, on a fait plein de trucs, ceci. Je dis ça, mais on a fait plein de trucs, on a débloqué plein de cartes. Ça, par contre, j'ai toujours pas. C'est vrai que j'ai aucune idée pour l'heure. Comment est-ce que je peux avoir un indice là-dessus? Il doit bien avoir un truc. C'est quoi ça, ce x4, d'ailleurs? Ah, et là, on commence à avoir un deck qui ressemble à quelque chose. Avec la reine des fourmis. La fourmi, le problème, c'est que... Ouais, le problème, c'est que vu que j'ai que deux fourmis, pour l'instant, c'est un peu nul. Et le loup en cage. Le loup en cage, il a pas d'attaque. On se fout de ma gueule. Il n'attaque pas. Yes. D'accord. On pourra modifier le deck plus tard, mais pas tout de suite, quoi. Ok. Bon, continuons un peu et on va pas tarder à s'arrêter, je pense. Encore toi? Eh oui! Et notre ami qui m'a libéré! Eh bien, je lui ai dit comment le faire.
T'as un plan? On a un autre ami ici. Ah, c'est pas vrai, tu le considères pas comme un ami. Mais j'ai l'impression qu'on est dans la mouise cette fois-ci. Un autre ami ici. Ouais, super. Le Louveteau. Le Louveteau de Seymour. Bon, déjà, on fait ça. Ça. Quelle erreur! Oh, mais ça va, toi, c'est bon. Hein. C'est pour que le Louveteau, il soit... Oui, bah oui, je sais, t'as mal, oui, oui. Mais au moins, le Louveteau, il est géré quoi qu'il arrive, quoi. Ah. Ah, yes. Il balance un loup alpha derrière. Oulala, là là, oh là 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 là, oulala, là là, Alors, le petit écureuil. Ah, mais c'est chiant. Parce que... Merde. Non, mais c'est pas grave. C'est une strat. C'est une strat. La reine des fourmis. Parce que là, du coup, je peux jouer à la punaise. Je suis de retour. Ouais. Il joue quoi après? Ah, c'est bon, il a terminé. Parce que s'il a terminé, bon. Tranquille. Hein. Je veux dire, laisse-moi. Je vois où tu veux en venir. J'abandonne. Tu peux accepter ma compagnie. Ok. Bon, là, il considérait qu'il avait perdu. Enfin, il savait qu'il avait perdu, du coup, il a abandonné. Pour pas que je full optimise et que je prenne plein dedans. Il m'a donné un truc, mais je sais pas ce que c'est. C'est quoi que tu m'as donné, mec? Je comprends pas ce qu'il m'a donné. Mais on va aller là. On va aller au feu de camp, assis après. On sera jamais allé au feu de camp. La chèvre apothéotique. La meilleure des offrandes, la sacrifiée. Encore 3 gouttes de sang. Ça, c'est vrai que c'est fort. Le grizzly. Ah, le grizzly, hein. Ah, j'avoue, le grizzly. Putain, le combo grizzly-chèvre noire, là. Oh là là. Quel plaisir. Voilà, chèvre noire. Du coup, on va prendre la chèvre noire. Qui devrait me permettre de faire des trucs sympathiques quand même. Allons au feu de camp. Tu croises la route d'un petit groupe d'âmes rescapées. Réunis autour du feu de camp, le groupe au visage émacié et affamé. Dévisageant tes créatures, le groupe te fait signe d'approcher. Une âme t'interpelle. Viens réchauffer une de tes créatures près du feu. Une autre rajoute. Réchauffe-la près du feu, elle se la procurera un bonus de puissance. Tu remarques qu'une des âmes en feu a l'eau à la bouche. Ouais. Oh. On m'a dit que ça donnait un bonus de puissance. À qui je veux donner un bonus de puissance? Bah, à moi, non? Toujours plus. Ils vont me bouffer? Vous pensez qu'ils vont essayer de me bouffer, là, eux? Le feu réchauffe la pauvre bête et lui octroie un bonus en puissance. Une silhouette approche de la bête. Une autre grince des dents. Oh. Voilà, sans dire mot, tu éloignes la créature du feu et quitte les lieux. Wow. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un événement aléatoire en mode quand tu vas au feu, genre tu peux mettre une créature mais elle a une chance de mourir? Oui, il faut pas que tu mettes une créature trop faible parce que sinon elle s'est bouffée. Je sais pas. Et là, on a combat ou combat bizarre. En vrai, sympathique ce petit deck là. Ah, je voulais pas faire ça.
Je ne voulais pas faire ça, mais c'est pas grave. On affronte le loup. L'emblème du loup. Et du coup, il a ça. Ça fait quoi? Une carte en état. Bloque une créature adverse avec l'emblème vol. Ah, c'est bien. C'est pratique, ça. Donc, le lézard. Ah oui, le lézard. Le lézard. Voilà. Et on commence. On est parti. Ah! Lâche ou courageux, c'est dur à dire. Ah! Ah, ça marche comme ça! Ah, la pire connerie, non! Mais attendez, non, ça sacrifie. Putain, le loup en cage, quoi. Le loup en cage, quoi. Est-ce que je vais rechoper une queue? Non? Dommage. Ouais, non, il le fait qu'une fois. Oh, le loup alpha, il fait pas plaisir. Faut des trucs avec. C'est moi! Super. C'est la merde. Ouais, mais c'est en one shot en plus. Oh, oh là 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 là. Ah ouais, mais parce que là je suis à 4. Donc je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de faire ça pour équilibrer la balance. Ça l'a pas tué. Je vais le calculer, je suis un connard. Je pensais, je sais pas, je croyais qu'il avait attaqué déjà une autre fois. Il me faut les trucs avec les... Putain. J'essaye d'avoir mon opossum ou ma punaise. Et non, je me fais baiser. Ça fait quoi ça? Ah! Un point de dégâts bien mérité! Je pensais pas que tu le ferais. Ah ouais? Moi non plus. Oh, surtout que j'ai perdu là. Ouais. Surtout que c'est loose. Bon. Non, moi je perds qu'une seule flamme. Que c'est dommage. Ouais. Allons dans le piège. Un trappeur t'arrête en cours de route. Il cherche à liquider ses fourrures. Son apparence te paraît étrange, mais tu n'as Dieu que pour sa marchandise. Ça te dit, je t'en ai mes fourrures. Petite fourrure, plein de fourrures, je te le fais gratos. Ah, t'as vu, c'est de la bonne qualité, hein. J'ai 4 dents. Visiblement, j'ai 4 dents. Ouais, je peux me lever? Je peux piocher une carte? Fourrure de mouton. Fourrure de mouton, on ne peut pas. Mais je peux prendre la fourrure de loup. Bon, prenons une fourrure de lapin, une fourrure de loup. Bah, toi, t'as plus de dents pour celle-là. Oui, ben non, mais j'ai compris. Je m'en vais, moi. Je m'en allais, monsieur. Comment on s'en va? Ah. Tu parles déjà? Attends, recalme mes fourrures, s'il te plaît. Oui, non, mais je m'en vais, c'est bon. Merci de ton achat. L'homme affirme que ses fourrures sont de qualité. Elles semblent toutefois être inutiles lors de combats. Mais il ajoute que la marchande installée un peu plus loin pourrait te les échanger contre une récompense. La marchande installée un peu plus loin. Elle est où ta marchande? C'est nouveau ça, non? Attendez, il y a des nouveaux trucs là? C'est nouveau, c'est... nouvelle règle? Pensez qu'il y a des nouveaux trucs là-dedans. Tiens, question que je me pose, est-ce que vous pensez qu'il y aura une figurine de plus à chaque fois? Ce serait incroyable.
À chaque mort, il y a une figurine de plus. Bon, en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Attendez, si je joue au menu principal, il se passe quelque chose ou pas? D'accord. Il fallait que je lui dise qu'il fallait aller au menu principal. Si je vais dans les crédits... Non, 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 mauvaise idée. En fait, je veux voir s'il n'y a pas un truc... Je veux comprendre pour l'heure, moi. Je veux savoir où on la trouve, cette heure de mort. Comment je trouve une horloge? En vrai, pour moi, bon, minuit... Minuit, ça me paraît obvious, mais... Minuit quoi? Minuit 2, minuit 3, minuit 40, minuit 42? Et combien de secondes aussi? Parce qu'on a les secondes. Enfin bref, en tout cas c'est vraiment sympa. Il y a cette petite vibe, effectivement, Slay the Spire. Il y a un côté roguelike où en fait on va devoir se construire un build, hein, de ce que je comprends, à chaque partie. Il y a une ambiance aussi qui... Ouais, c'est sympa, hein, c'est sympathique. C'est spooky sans être non plus ultra oppressant. Enfin genre, il y a des trucs sur lesquels, tu prends ça premier degré, t'es en mode, ah ouais quand même, hein. Quand même, tu t'arraches une dent, quoi. Quand même, il y a une porte où il y a des faisceaux électriques qui ont l'air de partir et je sais pas si c'est de là où on vient ou si c'est de là où on finit. Mais voilà, visiblement, en face de nous, on a un psychopathe, quoi. Mais c'est vrai que c'est très sympa. Après, on peut prendre ça aussi, parce que si ça se trouve, on fait croire que c'est un psychopathe. En fait, c'est juste, ils sont partis dans un trip JDR à fond où, voilà, t'as le maître du jeu... Il fait son... Le mec, c'est un gros psychopathe, et en fait, bon, voilà, il joue avec son pote. C'est possible aussi. Peut-être que ça se trouve, c'est nous, le gros psychopathe, dans l'histoire. C'est nous qui l'enfermons, en fait. Qui l'obligeons à nous prendre en photo. Parce qu'en fait, on a... Non, oui, bon, stop, on arrête. Bref. Sur ce, prenez soin de vous. C'était Bou. Bye bye.